Et direction l'Assemblée nationale où nous retrouvons Camille Collin. Bonjour Camille, vous avez à vos côtés le député Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la République. Oui, effectivement, monsieur Dupont-Aignan, bonjour. Alors, bonjour. Vous êtes effectivement député de l'État et surtout candidat à deux listes pour les régionales. Je pose une question d'abord sur ces mots de Pierre Gattaz sur le Front national. Dénonce un danger économique en pointant du doigt leur programme. Qu'est-ce que vous en pensez? Danger économique, vraiment? Je trouve que les déclarations de M. Gattaz sont très choquantes sur le plan des principes. Et il aurait attaqué le Parti socialiste, le Parti communiste, moi-même, Mme Le Pen, qu'importe. Il est le patron de tous les patrons et il se livre à une attaque contre un parti, il sort de son rôle. Et en plus, c'est totalement contre-productif. Donc je trouve ça vraiment stupide. Et sur le fond du programme économique du Front national, je défends un autre programme économique, moins collectiviste, programme de Debout la France. Donc je pense qu'il est normal qu'il y ait un vrai débat sur le fond des choses. Mais je pense qu'en vérité, c'est pas en attaquant comme ça, en montrant du doigt un parti, que le patron des patrons devrait s'exprimer. En revanche, qu'on organise des débats, qu'on compare les programmes, et j'appelle chaque citoyen à comparer les programmes. En fait, on veut nous enfermer dans un débat de second tour avant le premier tour. Et avant le second tour, on parle tout le temps du Front National, mais qu'on parle de Debout la France, qu'on parle des autres partis qui proposent des choses différentes. Alors justement, vous parlez programme, parlons de votre programme. Vous avez des points, j'y reviens encore, qui justement se rapprochent du Front National, des points dénoncés par Pierre Gattaz sur la sortie de l'euro, sur la sortie de Schengen. Et oui, mais parce que M. Gattaz, lui, il préfère le chômage de masse, il préfère les travailleurs détachés, 500 000, il préfère la faillite des PME. Donc je trouve scandaleux sa position. Ces gens ont échoué. Simplement, ce faisant, il favorise le Front National, alors que moi, je propose une alternative beaucoup plus réaliste, beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus sereine. Et ils ne se rendent pas compte qu'en donnant aux Français des oukases comme ça, eh bien, ils vont aboutir au résultat inverse. Alors moi, je le dis, il n'y a pas que le Front National dans la vie. On peut vouloir rejeter le système qui est en place et voter pour des candidats qui proposent, notamment en Île-de-France, un programme très réaliste sur les transports. Je suis maire de banlieue, sur la sécurité. Et je demande aux Français qui me regardent de regarder les programmes. Et ils feront leur choix librement, sans les oukases de M. Gattaz, qui s'est trompé sur tout depuis 20 ans. Alors sur les régionales en Ile-de-France, justement, est-ce qu'on a le sentiment, nous, est-ce que le sentiment est partagé de votre côté, que la campagne a pris un tour très différent depuis les attentats, et notamment un tour plus sécuritaire, justement? Oui, moi j'ai jamais changé d'avis là-dessus. J'avais demandé l'état d'urgence au mois de janvier. On a perdu 311 jours. Aujourd'hui, j'ai décidé d'affecter ma réserve parlementaire aux forces de police qui manquent de tout. J'étais dans un commissariat, il y a 20 gilets pare-balles haute sécurité pour 320 agents. Mais c'est ahurissant ce qui se passe. Donc on parle d'état d'urgence, mais il n'y a pas de contrôle des frontières réel. Il n'y a pas de moyens pour nos policiers, nos gendarmes. Les djihadistes qui sont revenus de Syrie sont toujours en liberté. Mais à l'échelle de l'Île-de-France, justement. Mais à l'échelle de l'Île-de-France, on pourrait faire beaucoup plus, notamment l'aide aux communes pour la vidéoprotection, installer des caméras de protection, la police des transports. Moi, je veux qu'une femme seule puisse prendre le RER à minuit. Ça se fait en Angleterre, pourquoi pas en France? Mais il faut une police régionale des transports, il faut que l'ensemble des rames de métro soient vidéoprotégées et de RER. Ça veut dire, par exemple, les lycées, lutter davantage contre le racket. La région peut contribuer, pas remplacer. Contribuer à la sécurité en Île-de-France. Vous avez tout de même le sentiment que cette campagne des régionales s'est nationalisée? Mais bien sûr, parce que vous savez, quand des barbares assassinent des jeunes dans une salle de concert ou à la terrasse d'un café, on ne peut pas parler de la même façon à nos concitoyens. Mais moi, j'ai toujours été clair, j'ai jamais changé d'avis depuis des années. Je regrette que la prise de conscience vienne trop tard. Mais je souhaite qu'il n'y ait pas d'autres victimes, donc j'aimerais qu'on aille au bout de la logique, qu'on contrôle nos frontières et qu'on arrête les djihadistes de retour de Syrie et qu'on les mette dans un lieu fermé, éloigné. Très bien, merci beaucoup. Merci. Monsieur Dupont-Aignan.